Bon, ça va, Tom? Nickel, et toi? Ça va, avec le pollen? On fait aller. Allez, on est parti. Ok. Ah, il n'y a plus de. Ouais, en fait, c'est simple, avant de partir chercher ma clé partout, j'ai dit, tu sais quoi, je vais galérer pendant 10 minutes, je vais prendre le double, je vais gagner mon temps. Effectivement. Donc, j'ai pris le double, je savais où il était, lui au moins. Allez! Elle est très réactive, ma voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? On ira à droite. Bon, on va se faire un bon petit tour là. Ok. Non, non, par là. À droite. À droite au feu, excuse-moi. Ok, d'accord. On va aller vers Mont-Louis. Là, j'ai un truc, une lettre à déposer. Okay. Bon, c'est pas une lettre, c'est des papiers. Progresse. Et on ça. Alors, prends l'embrayage là. Là, en tournant, tac, moi ouais. Je prendrai l'embrayage plutôt que d'arriver avec l'embrayage relevé. Ok, d'accord. Très bien. Merci. Allez, vas-y. Bon, tu vas faire quoi de beau ce week-end? Je vais voir des amis tranquilles. C'est bien. De particulier. J'essaie de profiter un peu du soleil avant qu'il n'y en ait plus. Avant qu'il n'y en ait plus. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'il y a du soleil. Là, ça commence à être. Ouais, c'est clair. Ouais, quoique là, en ce moment, on aimerait bien qu'il pleuve un peu. Hein. Ah ouais, tu trouves? Que le pollen y redescende. Ah oui, vrai, ouais. Ouais, moi je le vis bien. Dans hein. Ce sens-là, ouais. Quand il pleut. Bah après, les officiers. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mois de mai où j'avais été aussi peinard. Ouais, c'est vrai, moi aussi pareil. Parce que moi, en fait, les gros du pollen qui me gênent, ils sont au mois de mai-juin. Ouais. Donc généralement, c'est les moments où je subis. Ouais, même pareil. Là ouais c'était bizarre, j'étais un peu suspicieux, hein, mais ça va bien cette année, je ouais. Guéris. Ouais bah tu m'étonnes, il flotte tous les jours. J'ai pas guéri du tout, c'est pas grave. Il flotte tous les jours. Là, je suis allé acheter un truc à la pharmacie parce que je. Vraiment j'étais tombé bas. Niveau respiration et tout, même aller à la salle, ça me paraissait incommensurable. Ah ouais. Ouais, la 2 c'est bien, t'aurais pu la mettre depuis un moment. Bon, t'allais la mettre quand je t'ai dit regarde derrière. Lâche le frein et mets la 8. Et on repart tranquille si on peut. Allez, on peut. Allez, reste à droite. Et on va à droite, excuse-moi. On va à droite aussi. Ouais. Et on va toujours tout droit pour le moment. Je répare mon panneau de toit, j'ai les vis, elles sont parties, je peux plus le ah mettre. Merde, ça marche plus. Bah si je le mets, il va s'arracher quand on va rouler. Ce serait dommage. Je vais essayer d'aller choper ça demain. Les vis. Tranquille. Voilà. Ouais, vraiment ou pas du tout? Okay. Il va nous aussi, t'es sûr. Ouais. On se remettra à droite. Ouais, il est venu un peu tard. Hein. Ouais, l'angle mort, il est venu très tard. Je vais être coupable. Au secours, sortez-moi de là. Bon, ça a été ta semaine? Ouais, ça va. Pense à enlever ton clignotant. Ça va, ça va. Ouais, t'as des vacances cet été? Ouais, fin août. J'ai pris 2 semaines. Ouais, tu pars? Ouais, je me suis fait un petit truc camping. C'est bien, tu vas où? L'Arnas, un peu dans le sud, près de Montpellier. Enfin, de Montpellier. Non, c'est pas. Oui, d'accord, je vois. C'est ce qu'on l'a fait doucement. Doucement. Okay. Et on va tout droit.
regarder une tube. Ouais. Bah, c'est bien ça. Bah, l'avantage du camping, c'est que franchement, ça te fait un truc. C'est pas celle-là. Alors, reste à droite quand même. C'est celle-là. C'est que ça, y a moyen de voyager pour pas très cher, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. Allez, go, go, go. Il y a quelques années, j'étais en mobilhome et en fait, je faisais un barbecue et puis je discute avec un gars, un Brésilien qui arrivait en France et tout. Il était là avec sa copine. Et eux, en fait, ils avaient pris 2 semaines et sur 2 semaines, ils passaient une journée, 2 journées, des fois dans les campings, des fois 3 jours quand ça leur plaisait. Et en fait, ils remontaient toute la côte atlantique comme ça en faisant. Ouais. C'est au plein de la deux. Allez, faut que... Ouais, mais le truc, c'est que si tu regardes qu'à gauche, on n'est plus à notre place après. Ouais. Et je trouvais ça rigolo, le fait de se dire ça nous plaît, on reste 2-3 jours, ça nous plaît pas, on reste une journée, et hop, on remonte comme ça petit à petit. C'est bien. Je lui avais fait goûter les camemberts au barbecue. Ouais, et en fait, tu mets du camembert dans du papier d'alu avec de l'huile, des herbes et tout. Ça va être pas mal ça. Ouais, et après, tu pioches dedans avec ton pain. Ouais. Et lui, il m'avait fait goûter les ananas au barbecue. Okay. C'était une tuerie. Ouais. Les morceaux d'ananas, la caramélisée au barbecue. Oh là là. Je veux bien le croire. Très doucement. Parce que là, tu arrives un peu vite. Doucement, doucement, pas. Voilà. Pas plus fort, même moins fort. Voilà. On garde en constance et on pense à changer ses vitesses. On va tout droit. Allez, mets la 2 et on repart. Truc qui m'épate, c'est je vous fais du montage sur Filmora 13. Okay. C'est Wondershare. Okay. Tout le monde appelle ça Wondershare. Ouais. Et fin de son. Et si tu veux, avant j'avais Filmora 10. Ouais. Et vraiment, le truc, tu pouvais t'en servir en ligne, hors ligne, tout marchait bien et tout. Ouais. Bon, j'ai racheté Filmora 13. D'accord. Ce qui est génial, c'est que dans le logiciel, tu as des trucs optionnels qui sont payants. Bon, soit. Mmh. Mais pour trouver les trucs gratuits équivalents, tu tires une balle. Hein. Ouais. Pour chercher rien que du floutage, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps, ça me prenait la tête à la fin. Est-ce que je dois apprendre de chercher d'autres logiciels qui font ça à la place, c'est ça? Non, non, en fait, tu cherches dans leur panel de. Dans leur banque de. Ah oui, okay. D'effets, ouais. Ils ont une banque d'effets, mais dans la banque d'effets, ils te mettent les trucs additifs, ouais, qui sont payants. Okay. Et je trouve ça délirant pour un logiciel que tu vends une centaine d'euros, ouais, d'aller mettre en plus des trucs que tu dois payer. Franchement, j'ai envoyé un message au support, ça me gonflait tellement. Oui, oui, je comprends. Après lui, regarde. Okay. Voilà. Parce qu'au début, là, tu étais parti dans l'idée. On va à gauche, excuse-moi, je t'ai pas dit. Au début, je crois que tu étais parti dans l'idée que tu t'arrêtais. Ouais. Et voilà. C'est vrai que c'est hallucinant sur des logiciels que tu payes, que tu en arrives à avoir des contenus additionnels que tu dois encore raquer pour les obtenir. Maintenant c'est la norme. Hein? Maintenant c'est la norme. Ouais, mais dans ce cas-là, rends le logiciel gratuit et tous les additifs payants. Ouais, parfait.
qu'on va être honnête, je serais resté sur Filmora 10, pour moi il marchait mieux. Vas-y. Même pas tant que ça en fait. Après les allergies ça fatigue plus. Ouais. Bah tu respires moins bien. C'est clair. Moi je suis en train de me coucher et tout. Alors, ouais. Putain ça crève. C'est joli comme voiture, c'est quoi ça? Ah c'est une Alpine. J'aime bien. Ouais. Stylé. Un peu en retard. Bon du coup t'as quoi de prévu ce soir? De particulier? Ciné. Ouais je vais au ciné. Tu vas aller voir quoi? Les Guetteurs, un film d'horreur. C'est vrai? Ouais. Je connais pas. Bon, je connaissais pas non plus mais ça vient de sortir et puis pourquoi pas quoi. Ouais. Ah j'aime bien moi les films d'horreur. Ah, moi aussi. Alors, ouais, c'est dur de trouver des bons films d'horreur quoi. J'aime bien. Moi j'ai un problème avec les films d'horreur. C'est pas un problème, hein. C'est qu'en fait j'adore les films d'horreur, ouais. Et j'ai une politique sur les films d'horreur, ouais. C'est qu'en fait vas-y tu pars avancer, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu là. Ils ont mis à 30 juste pour là, vas-y accélère. En fait j'ai un point de vue, c'est que ça se voit, ça se combat, pas de problème, ça fait peur mais ça se voit, ça se combat. J'ai regardé Paranormal Activity. Ouais. Alors Paranormal Activity, t'as déjà vu? Oui. Ouais. Ouais. Bon, ça se voit pas. C'est plus flippant. Ça se combat pas. Mais je te jure, j'ai regardé le 1. J'habitais une maison, mon chat il montait l'escalier, ça grinçait. Ouais. Je me réveillais en sursaut. Ah, ça a duré 4 mois. Ça a duré 4 mois où je dormais que d'un œil. Putain, à ce moment-là. Mon fils, il se dormait à côté de son mur. Il se retournait, il cognait dans le mur. Je me levais en furie. Ouais, vraiment, ça a duré presque 3-4 mois. Putain, carrément. Ça a bien marché alors le film. Ouais, ouais, attends. Et en fait, j'ai un élève, une fois, il me dit, bah, je lui explique. Il me dit, bah, tu devrais regarder le 2 parce que dans le 2, ils expliquent pourquoi le 1. Je dis, bah, si je comprends pourquoi le 1,
ça me fera moins peur. Ouais, ouais, t'as raison. Dans le 2, il t'explique qu'il y a quelqu'un qui le chasse du 2, qui retourne dans l'1, il bute tout le monde, il revient dans le 2, il bute tout le monde. Ouais. Il y a quelqu'un après, donc rebelote hein, sur 4 mois. Ouais. Et j'ai un élève qui me dit tu devrais regarder le 3. Je dis non, non, c'est bon. C'est ma dose. Ah putain, ils sont chiants. Je crois qu'ils ont fait 7 ou je sais pas quoi. Des Paranormal Activity. Ouais. Ah, c'est la problématique de tous ces films. Le pire, c'est t'as un film dans, je sais plus, 97, peut-être 98, ouais, qui est sorti, c'est le projet Blair Witch. Ouais, c'est l'original celui-là. Ouais, mais c'est un film qui a été tourné en un week-end, 72 heures. Il a très bien marché. Avec un budget de 25 000 dollars à l'origine. Ouais, ouais. C'est-à-dire avec rien. Ouais. Et il a fait un carton. Ouais, ouais. Bon, après, ils en ont refait d'autres. J'ai pas trouvé ça terrible. Ah bon? Des Blair Witch? Ouais. Non, je sais pas. Mais c'est celui qui a un peu créé le genre. Ouais. C'est-à-dire du faut pas tout voir. Ouais. Il fait un footage. Ça, c'est la il y a un truc qui a bipé. Un truc qui a bipé, c'est pas la caméra. Je sais pas. On regardera ça tout à l'heure, c'est pas important. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus important quand tu laisses la suggestion. C'est moi je préfère. Quand on voit pas. Quand tu montres tout. Qui avait bien marché dans cette veine là, c'est Sans un bruit, je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est pareil en fait, c'est, on voit pas du tout quel est le monstre quoi. Mais attends, il y a un film comme ça avec Sandra Bullock qui est sorti sur Netflix l'année dernière. Ah oui, mais ça c'est un autre, ça c'est les regarder. Hein, ça, c'est les oiseaux, les oiseaux dans la boîte, ah, Bird Box. Bah, c'est ça, les oiseaux dans la boîte. C'est exactement ça. Et bah celui-là, bah, c'est un peu la même veine, hein, sauf que dans Bird Box, c'est, tu peux pas regarder. Ouais. Et dans Sans un bruit, bah, faut pas faire de bruit parce qu'il te repère tout de suite, tu vois. Et bah c'est pareil, quand tu vois pas les. Bah, je crois que dans Bird Box, tu les vois pas du tout. Et c'est encore mieux, ça marche mieux. Non, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à faire un film autour de pas grand chose en fait. Et vraiment, ça te tient bien en plus. Hein. Bah c'est, ça marche bien. Hein. Franchement, moi j'ai grave kiffé. Bah, j'ai bien aimé celui-là. Bah, Sans un bruit, c'est un peu la même veine et c'est sympa aussi. C'est très. Tu peux avancer là. Ah, ouais, ouais, t'as droit. Ah, 50 pas. Ok. Je pense que c'est pas mal. Si t'as aimé Bird Box. Ah ouais, j'ai bien aimé Bird Box. Ouais, j'allais te dire, tu commences à être proche. Bon bah voilà, au moins tu sais. Sans un bruit, je vais noter ça. Aller à celle-là. D'accord. C'est juste que moi c'est celle-là que je joue.
bien propre mon pare-brise en fait. Non, il est dégueulasse. C'était de l'humour. Oui, oui, ça pourrait être pire. De freiner parce que bon, si on se retrouve à 30 ici, on va se faire klaxonner. Freine tranquillement, faut mettre la 2. Il a eu une. À droite. À droite.
sur la route, je voulais. Ah ok, d'accord. Tu me laisses tout. Ça marche. Je vais faire un truc. Hein? Effectivement, ouais. Ça vaut une fortune, ça, en état. Bon, il est en bon état après. Hormis que la peinture, elle est passée. C'est les Range Rover première génération. Vas-y, on est reparti. Je suis très curieux. On ira à droite. On va à droite, du coup, est-ce qu'on est bien placé là? Non, pas du tout. Ferme. On va en profiter. Ça, j'y ai pas pensé. Vas-y. Yep. Hop. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Accélère avant de lever l'embrayage. On va à droite. On va à droite. Lève l'embrayage si tu veux. Accélère. Tu vois, c'est plus agréable. Viens te placer. Viens te placer là-bas. Il y a la place. Oui. On prend l'embrayage. Et si on peut y aller, allez, on y va. Mais si on roule à 15, c'est là où on va créer une problématique où les gens ils vont chercher à nous doubler à un endroit où ils ne devraient pas le faire. On ira à droite. Décision de passer, chercher à avancer un minimum. Je t'ai pas demandé d'aller à droite, moi. Ah oui, c'est vrai. Mais si tu vas à droite, moi je veux bien. Mais eh ben oui, il faut que les autres le sachent. Ouais. Après, tu vas à droite, ça me gêne pas. On va à droite, du coup, on n'a pas le choix. Okay. Ouais, j'ai compris, hein, tu voulais plus la moto derrière toi. C'est ça? C'est ça. On suit la route par là-bas.
bien l'impression que c'est un gros cul-de-sac. Je sais pas. Hein? Je sais pas, je sais pas. Je connais pas du tout. Peut-être pas en fait. On ira à droite. Si, si, on vient de là où on est arrivé. Allez, vas-y, on est reparti, on va y arriver. C'est parti. Hop. Bah, du coup, tu vas pour quelle heure là au ciné? 22h et quelques. Ah oui, ça va. Allez, ça nous dit aller. Ça faisait du bien le vent. Ouais. Allez. Tu vas avec du monde? Oh, juste un pote, c'est tout. D'accord. Bah, c'est bien. Ouais, ouais, non, c'est pas. Oh, je sais pas du tout ce que je vais faire. Ah, je vais finir Lupin, tiens. Ah, ouais, j'ai regardé, c'était pas mal. Bon, après, ça. Je veux pas spoil ni rien, mais ça. Je t'ai regardé la première saison. Hein. Ah oui, moi j'en suis à la saison 3, mais là, ça, il y a des fois où ça a pas de sens quoi. Ouais, ouais. Ah bon? Hein? À gauche. Okay. Bah. Là, il se retrouve dans des situations parce qu'à un moment, il laisse faire un truc. Bref. Ok. Je vais pas. Bon, dire pas, je sais pas si je vais regarder de toute façon. Ouais. Allez, on y va vraiment. Ok. Ah oui, j'ai oublié de lui dire tout à l'heure à Sony. C'était quoi le site pour regarder les dates pour le permis? C'est rendez-vous permis. Je vais lui envoyer ça. Ah, c'est Olive. Deux dates. Hein. Moi j'aurais mis la 2. Et moi aussi. Par contre, la batterie là-dessus. Ça va? Non. Non? C'est pas. Putain. Bah, moi je suis pas tout le temps dessus. Ouais. Honnêtement, à la fin de la journée, il n'y a plus de batterie. Hein. Ah ouais, sérieux? Ouais, bah je suis à 20%. Et avant, t'en avais? Bah, avant, avec mon autre téléphone, honnêtement, je le rechargeais pas de la journée. Ouais. Des fois, il restait tellement de batterie que je le rechargeais pas la nuit. Bon, le lendemain dans la journée, j'étais mort, mais. Oui. Mais voilà, celui-là, disons que ça m'arrivera pas. Ouais. Parce que le soir, j'ai intérêt à le recharger. Après, ça ne me choque pas, peu importe quoi, mais de manière, je dois le recharger deux fois par jour, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est horrible. Allez, faut avancer. Ouais, bah, comme tu osais pas, je le fais. Hein. Ouais, c'est pas grave. On ira à droite. Ouais, mais la 2. Tranquillement, t'as le temps. Mais la 1 et on peut pas. Si on peut. Si on peut. Allez. Allez.
droite. Va comprendre comment j'ai fait pour avaler de travers alors que j'ai rien avalé. Alors tu vois, ma femme elle a des bouteilles SodaStream. Ouais. D'accord. La bouteille je la trouvais pas très propre. Ouais. Et j'ai eu l'idée lumineuse de me dire je vais la nettoyer. Okay. Je vais mettre de l'eau chaude dedans. Ah. C'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah regarde, la bouteille elle a fondu. Ah oh, merde, ouais, mais là t'as mis de l'eau bouillante. Oui. Okay. Bon, j'admets, c'était pas une idée lumineuse. Maintenant j'ai une bouteille aérodynamique. Elle se forme à ma main. Ça sent les choses. Tu n'as plus qu'à convaincre ta femme maintenant. Non, bah je la garde et je la laisse plus à la maison. Faut pas qu'elle la voie. Règle de base, si elle la voit, c'est lui rappeler. Pour acheter une nouvelle, il est inconnu. Ah, puis le nombre de bouteilles que j'ai dû lui paumer, ouais. C'est-à-dire. Des bouteilles que j'emmène au sport, que je laisse sur place, que je retrouve jamais. Ouais. T'imagines même pas. Okay. Voilà, petit à petit. D'accord. Alors l'eau, ça doit faire un moment qu'elle est dans la voiture. J'ai arrêté d'en boire. Et on met les... Je viens de lire un commentaire et je comprenais pas le but du commentaire. Ouais. Parce que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un moment. Okay. Et en fait, une fois avec Manon, ouais. On fait une leçon et puis en fait, on est sur la première heure et on est dans une petite zone industrielle où il y a des habitations. Okay. Et en fait, je suis avec Manon et puis je suis en train de régler les caméras et j'ai la caméra à la main. Ouais. Puis bon, je la pose et je la mets, voilà. Et en fait, à la fin de la leçon, il se passe un truc rigolo. T'as un mec qui me suit. Et en fait, je te jure, mais bon, je prête pas attention plus que ça. Il me suit sur une minute ou deux. Ouais. Et en fait, il s'arrête à côté de moi et il me dit... Ah mais en fait vous êtes une auto-école, vous l'avez pas vu tout à l'heure, je croyais que vous preniez des photos chez moi, je vous ai fait des grands signes. Ah ouais, et d'accord. En fait il dit il y a eu des cambriolages dans le coin. Et en fait je capte après que effectivement j'avais la caméra quand on était devant chez lui quoi. Il est joueur. Ouais. Et voilà, commentaire il parlait de ça et c'est un truc qui s'est passé il y a un petit moment donc. Donc j'ai mis un moment à recapter. Ah c'est le gars qui t'a dit c'était moi qui vous suivais. Non, le gars il me met ouais, m'empêche, c'est pas con ça en voiture d'auto-école pour faire les repérages. Ah t'as des mauvaises idées là. Les gens prennent leurs idées quoi. Où ils veulent. Mais tu sais que je regardais un film, je sais plus si c'était Scorsese le réalisateur ou quoi. Et en fait. Non, c'était un reportage que je regardais, mais c'est un film okay. que j'ai regardé il y a longtemps. Ouais. Et en fait, c'était sur des cambriolages et tout, ouais. de fourgons blindés. Et en fait, t'as un mec, un cambrioleur, qui
il va voir ce film. Et en fait, il sort du film et il se dit, mais tout ce qu'il y a là-dedans, il est balèze, le mec. Et il retourne voir le film 17 fois. Ouais. Et il prend des notes. À chaque film, il reprend des notes. Ça pue, ça. Non, mais il s'est servi de tout ce qu'il y avait dans le film pour commettre des braquages pendant des dizaines d'années. Et en fait, il va à une conférence du réalisateur et il lui dit, vous savez que je me suis servi de toutes les idées que vous avez eues dans votre film. En gros, pour lui dire, elles ont toutes marché. Il n'est pas très fut-fut, le gars. Hein ? Il n'est pas très fut-fut, le gars. Bah, il est repenti depuis, mais... Mais je trouve ça rigolo de se dire, mais en fait, je suis sûr que ça marcherait. Même en France, je crois qu'il y a eu des cas où les gens imitaient. Ah, mais c'était un Français, le mec. Ouais, bah en France, il y a eu une affaire qui a été résolue parce que le gars, en fait, il avait fait un scénario d'un épisode de Columbo, je crois. Ah oui, j'ai ouï dire de ça. C'était, je crois, un mec qui a tué une femme qui a tué son mari, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, la policière a vu l'épisode et s'est dit, tiens, c'est bizarre. Ça ressemble vachement. Ça ressemble un peu. Mais ça a été résolu comme ça, du coup. C'est moche, ça. C'était vraiment, il a su l'histoire, quoi. Truc de fou. On ira... On ira à droite. Au feu. Il est loin, le feu. Tu vois le feu ? Non. Bah si, tu le vois, le feu. Dis-moi que oui, tu vois le feu. Ça y est, je le vois, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Et je me suis dit, si là il voit pas, il y a un problème. Il faudrait que j'ai mes lunettes. Tu portes des lunettes? Ouais, normalement je porte des lunettes. Ouais, mais c'est des lunettes de repos. Bon, je sais pas, je suis pas. Pour le PC, pour le travail. Je suis pas très atteint, mais c'est mieux quand même quand je les porte, quoi. Oui, t'es plus à l'aise. Ouais. Parce que des fois, j'ai des élèves. J'apprends qu'ils ont des lunettes le jour de l'examen. Ils ont jamais mis de lunettes, jamais de lentilles. Bah, j'ai des lentilles aussi des fois. Mais... Alors les lentilles pendant cette période, c'est pas l'idéal. Tu les perds tout le temps. Ouais, c'est ça. Dès que parce que la vache, des fois j'ai les yeux qui pleurent. Ouais, puis, tu te grattes et c'est foutu, quoi. Alors, me gratter, même si ça me démange à mort, je le fais pas parce que. Moi j'arrive pas à regarder. Bah en fait le truc c'est que moi j'ai déjà eu un truc où à la fin je croyais que j'avais un truc dans l'œil. Ah oui, mais et en fait l'œil il gonfle tellement, du coup maintenant je touche plus. Ouais, même ça me démange. Mentale. Ouais, ouais, à ce niveau là ça va. Plus que pour les putains de boutons de moustique. Ouais, ça c'est chaud aussi. C'est un truc fantastique hein, les moustiques. C'est. En fait. Non, mais vous me détestez. Je crois, ouais. Je parle. Ouais, vas-y. Ouais, on parlait des moustiques. Moi, il y a un truc qui m'épate avec les moustiques. Vas-y, accélère. C'est... Moustiques. Il n'y a aucun problème. Tu veux à manger ? Vas-y, viens bouffer. Invite tes potes et tout. Viens, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi tu me laisses ce putain de bouton ? Moi, je te le donne gratos, mon sang. Viens, avec tes frangins et tout. Mais moi, quand je vais manger chez mes potes, je chie pas sur la table. C'est vrai. Comme ça. Puis c'est surtout, je sais quand t'es là. Je sais que tu vas me piquer. Ouais. Pourquoi tu fais ce zzz ? Viens, je dors en plus. En plus. Alors que tout là, plaît, quoi. Je sais que t'as envie de me piquer. Fais-le. Mais voilà. Tout ce cinéma pour ça. Viens discrètement. Je te jure. Allez. Je crois que les moustiques ils ont été créés pour rendre les gens barges. Ouais. Oh, quoique.
n'y a déjà pas besoin de ça. C'est ça. J'allais dire. Allez, si on peut accélérer. Fait bon là, ça y est. Ouais. Allez, on accélère. Voilà, tu vois, t'as fait une bonne partie du taf. Bah quand c'est pas l'une, c'est l'autre. C'est la totale. Dans ta voie. Okay. Voilà. Et on va tout droit. Okay. Ouais, belle ado, c'est une bonne idée. Écarte-toi de la dame. Parce que tu vois, elle tendait les bras. Ouais. Si elle les relâche comme ça, sans savoir que la voiture elle arrive et qu'on lui met. En plus, elle avait le téléphone dans la main, qu'elle prend le rétro. Ah, là. Et on suit la route principale. Okay. Il vole de Dan, il accélère pour arriver dessus. Parce que j'ai pas vu le total. Des fois j'ai du mal à faire les trucs, tu vois. Je regarde un truc, une connerie sur TikTok et le gars il demande à une nana, il dit dis-moi un truc sur toi qui pourrait épater tout le monde. Mmh. Ou que les autres ne connaissent pas quoi. Ouais. Et elle dit bah je vois pas en 3D. Il dit bah ouais ok, il dit c'est gênant, pourquoi? Elle dit c'est gênant pour tout, déjà je veux voir en 3D, je suis obligé de fermer un œil. Elle dit je peux pas voir les trottoirs, je vois pas les marches. Ouais c'est chaud, ouais, ok. Bah, c'est un coup à se casser souvent la gueule. Hein. Ouais c'est clair. Là je connais quelqu'un qui voit vraiment pas en 3D. Hein? Je connais quelqu'un qui voit vraiment pas en 3D, tu vois. Ouais. Et en fait bah... C'est quand tu vas attraper un verre, bah, genre tu loupes, tu vois. Ça fait ce genre de truc un peu bizarre. Ouais, bah oui. C'est particulier. Mais tu sais que t'as un truc comme ça dans le code de la route, si tu perds la vision d'un œil, ah ouais. Bah forcément tu perds la vision des distances, des profondeurs. C'est dur à acquérir. Ouais. Ton permis, il t'est suspendu pendant 6 mois. Même pas genre juste une visite médicale, il faut vraiment suspendre 6 mois quoi. Ouais. Ah bah à l'issue de ça tu dois faire une visite médicale. Maintenant faut qu'ils soient au courant. Ouais c'est sûr. Et honnêtement, qui va aller le dire? Que quoi?
Pourquoi? Ah bah j'ai perdu la vision d'un œil, je voudrais que vous me retiriez le permis pour 6 mois. Prochaine, on ira à gauche. Bon ben je me servirai plus de cette carte. On ira à gauche. Le pire, c'est que c'est une carte que j'ai achetée dans un magasin. Ouais. Un magasin spécifique. Hein. Ok. On ira à droite. Tiens, d'ailleurs, le magasin à Tanguy, là, ils se sont fait braquer. C'est pas vrai? Ouais, si. Oh merde. Ils se sont fait cambrioler pendant la nuit, ils sont arrivés le matin, il n'y avait plus rien. Oh. Les pertes que ça représente, ça doit être énorme. Bah, apparemment, bah, il n'y avait plus rien. Ils ont volé 10 000 euros de matériel et 10 000 euros de dégâts pour entrer. Il y a plus de dégâts pour entrer que de matériel volé. Ouais, c'est con ça. Eh, mais une fois, le Décathlon, vas-y, ferme ta fenêtre. Le Décathlon à Tournor, il n'était pas à cet endroit-là avant, il était derrière. Et en fait, il y avait des travaux à côté avec une grue et tout. Et en fait, dans un week-end, ils se sont servis de la grue une nuit pour faire tomber le mur. Il y a eu 50 000 euros de vol, 400 000 euros de dégâts. En fait, ouais, c'est un peu tôt. Hein. Voilà, freine pas plus, accélère un peu même. T'imagines 400 000 euros de dégâts pour 50 000 euros de vol. Ouais, en fait, ils ont fait tomber le mur. Ils ont fait tomber un des murs avec la grue, quoi. Ouais. Truc de fou. Mets la 3. Là, t'arrives vite, par contre. Et mets la 2. Arrête de freiner parce que, surtout qu'il n'y a pas, y a pas de raison de s'arrêter. Clairement non. Allez.
ça me fait toujours bizarre. Ils ont accédé le passage maintenant, mais chaque fois que je passe ici, je me dis, ils en ont bien. Tadam, tadam. Ici, pareil. Je te jure, à chaque fois que j'arrive. Mon TikTok, c'est pas grave, on ira à gauche. On va faire le tour et puis on va se garer. Rangement, bataille en marche arrière. On va freine doucement. Ok. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va s'arrêter un petit peu après la voiture orange là, clignotant. Un petit peu après, encore. Faut que tu la dépasses. Voilà, stop. Marche arrière. Et on fait un rangement bataille dans la place entre les deux. Ok. Alors. On recule doucement. Lève l'embrayage un peu. Voilà. Allez, on tourne tout. Premier feu. Contrôle. Ah, bonjour. T'as compris pourquoi ? Ouais, j'ai compris. Regarde là. Ok. Ça passe là. Oui. Pour l'instant, je contre-marque pas. Et on redresse. Stop de tout. Point mort, frein moins. Bon, ce fut un peu chaotique avec entre les cartes SD, les batteries et les GoPro qui en faisaient qu'à leur tête. Mais on a réussi. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Bon, tes ralentissements, je pense que tu sais jamais vraiment quand ralentir. Ouais, c'est dur de savoir quand commencer. Fais-le. Alors, fais le tôt. Mais en fait, fais le plus cool. Alors que là, même si tu commences tôt, tu essayes de faire tout à l'affilée. Prends plus de temps entre chaque passage de vitesse, freine plus doucement. Ouais. Et tu verras que tu auras le timing. Quoi. Okay. Demain, je te tiens au jus, je t'envoie un message tout à l'heure. Okay, toi, c'est le matin demain. Ouais, plutôt. Ouais, ok. Bah, demain matin, je pense que c'est jouable. Je t'envoie un message tout à l'heure. Ok, c'est pas avant 10h, ça c'est sûr. Mais c'est que je vais à la salle avant. Okay. Et la salle, elle ouvre qu'à 9h. Mais moi, j'y vais à l'ouverture. À l'ouverture, il n'y a personne. Je suis bien, je suis dans mon élément. Ouais. Moi, y aller à 18h, je me tire une balle. C'est pas la peine. On fait comme ça. Ça marche. Allez, tchuss. Allez.